Alléluia, 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 Alléluia. Alors j'attends que nous puissions partager la vidéo, que nous puissions nous connecter. Envoie la vidéo à 2-3 personnes, invite ta famille. Invite tes amis, nous voulons parler du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Invite ta famille, invite tes amis. C'est le moment d'entrer dans la présence de Dieu. Le moment d'entrer dans la présence du Très-Haut. C'est notre temps de prière. Alléluia. C'est notre temps de parole. Alors invite ta famille, partage aussi la vidéo. Partage la vidéo, partage la vidéo. Il y a une personne qui a vraiment besoin d'entendre la parole de ce soir. Nous partageons la vidéo, nous partageons la vidéo. Sous cette atmosphère, nous partageons la vidéo. Seigneur, merci pour ta gloire, merci pour ta miséricorde, merci Seigneur Dieu pour ta paix. Si tu te connectes, tu partages la vidéo et en même temps tu peux commencer à bénir le nom du Seigneur. Sous ses formes musicales, élève sa voix, bénis le nom de Dieu et surtout dis à Dieu de te parler ce soir au nom de Jésus. Roko shamana zite bene brago. I bene riba baba 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 sheke mana rabana zunta mana ma sheke brozo to mono sheke. I bene marakana zinta mana ma sheke mana ya brozo ta mana meta. Ibreke neri baba 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 sheke mana rabana zunta raba sheke. Yenderi bana rab raga na mana zinta mana ma sheke mana ya baba 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 baba. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour ces instants merveilleux que tu nous accordes. El Shaddai, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. El Shaddai, que ton nom soit magnifié, Jésus, parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu, le Tout-Puissant. Tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. Le Dieu, oui, celui qui nous rassure dans toutes choses. Celui qui nous rassure dans toutes choses. Devant les circonstances, Seigneur Dieu, c'est toi qui nous rassure. Devant l'adversité, c'est toi qui nous rassure. Ô Jésus, nous te glorifions parce que tu es roi. Nous te glorifions parce que tu es merveilleux. Oui, Seigneur, il n'y a point de semblable, il n'y a point de comparable à toi, Jésus. Que toute la gloire soit pour toi, Seigneur. Que toute la gloire soit pour toi, Jésus. Glorifie-toi, Seigneur, en ces moments. Glorifie-toi, Seigneur Dieu, en ces moments. Père, reçois la louange, reçois l'adoration, reçois la sagesse. Reçois, Seigneur Dieu de gloire, notre adoration. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Parce que nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que tu peux tout. Seigneur, nous reconnaissons que tu peux tout. Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui peux tout faire pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, tu es capable de tout faire, Seigneur Dieu.
là où nous nous sommes limités, oui, toi, tu y as les capacités illimitées, Jésus. C'est pour cela, Seigneur, que nous venons toujours à toi, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur Dieu, nous venons nuit et jour vers toi, Jésus. Nous venons nous incliner au devant, Seigneur Dieu, de ta sainte puissance, de ta toute puissance. Ô Jésus, sois exalté, Seigneur Dieu. Sois loué, sois glorifié. Papa, nous te célébrons. Papa, nous te rendons grâce. Nous te rendons gloire, louange. Oui, majesté à toi, Jésus. Marabana Sheke. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager aussi la vidéo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager la vidéo? Partage cette vidéo, mon ami. Partage, partage, partage. Partage la vidéo, invite tes amis. Oh, manarabana sheke, manarabana sheke. Yendiri banaraba baba baba shondorobo santa manasheke. Ibre sete mene masheke manayabana rokoto soto mono sheke. Ibre kene manaraba baba 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 shendiri banarabro santa manamasheke. Yendiri banaraba babo sete mene riba baba baba baba. Yunduru bobo bobo sheke manaraba baba 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 sheke manayamana zito. Roka mana masheke mana yabra sita mana masheke. Seigneur, nous t'exaltons, Jésus. Nous t'exaltons, Adonai. Nous t'exaltons, El Shaddai. Nous t'exaltons, Jéhovah. Oui, le lion de la tribu de Juda. Nous te rendons toute la gloire. 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 Oui, sois glorifié, Jésus. Sois glorifié, Adonai. Sois glorifié, El Shaddai. Sois glorifié, le Dieu vivant, le Dieu de toute grâce. Oui, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la sagesse. Mande brocheke manaya bana maraba baba baba sheke. Yendiri bana rabro sota mana mashike manaya bana zunta. Yendiri baba 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 sheke manaya brasita mana sheke. Yondoro bobo bobo sheke manaya bana zinta mana sheke. Louange à toi Jésus, louange à toi Seigneur. Gloire te soit rendue Jésus. Gloire te soit rendue, Adonai. Gloire te soit rendue, El Shaddai. Oui, Jéhovah, nous te rendons gloire. Yamana mashekere baba 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 baba. Yonduro bobo bo sheke manama yamana zite menere baba 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 baba. Yendere baba baba sheke manaya basete menere baba baba. Oroko no mosata mana masheke riba baba baba baba. Yendiri baba 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 sheke mana yabana zunta. Oh, gloire à toi, Jésus. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ces moments glorieux, Jésus. Merci pour ces moments merveilleux. Merci pour ces moments puissants. Papa, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Pour ce que tu y es, pour ce que tu fais, Jésus. Honneur et gloire te soient rendus. Honneur et gloire te soient rendus, Seigneur. Honneur et gloire te soient rendus. Oui, te soient rendus, Seigneur, pour ce que tu fais. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de ces moments. Que le Saint-Esprit puisse diriger ces instants. Que le Saint-Esprit puisse nous conduire, puisse nous emmener, Seigneur Dieu de gloire, encore une fois, dans ta sainte présence, Seigneur Dieu de gloire. Que le Saint-Esprit nous fasse plonger, Seigneur Dieu, dans le profondeur de Dieu. Maniri bashe ke manaya babro sota ke namashe. Yendiri banara braga namazinta manamashe ke manaya babro soto mono sheke. Ibre kanara baba baba shende mana ibro santa mana mali ros kati brashete. Ibre kanama zinte mene sheke mana yaba soto. Oh Jésus, gloire à toi Seigneur Dieu. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Gloire à toi le Tout-Puissant. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Oh, acclame le Seigneur, acclame très très fort le Seigneur. Tu fais monter les émoticônes avec des acclamations. Fais monter ces émoticônes-là. Acclame le Seigneur, acclame le Dieu vivant, acclame le Dieu très haut. Nous lui rendons gloire, grâce. Nous lui rendons honneur et majesté parce que c'est Dieu le mérite. Alléluia, alléluia, alléluia. Non, quelqu'un donne un amen bien, quelqu'un donne un amen bien. Quelqu'un donne un amen bien, un amen puissant, un amen prolongé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui donne un amen, qui dit un amen puissant au Dieu vivant, au Dieu de la Bible? Dit un amen puissant, un amen vivant à ces dieux. Alléluia. Alléluia, alléluia. Laisse-moi envoyer encore ces liens à 2-3 personnes. Hein, parce que je vois que toi tu le fais au ralenti. Laisse-moi envoyer. Et après quoi, nous allons démarrer notre temps. Ô Jésus, gloire à toi. Alléluia. Rabana shekemana yabana setibiri bobo shekinasao. Medra shekemana ibro santa mana ma sheke baraba baba sete. Indiri baba 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 shekemana rabana zete bro sota mana shike. Indiri bana ma yabro sheke. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments précieux qu'il nous accorde dans sa présence. Soyez bénis, je vais saluer quelques personnes. Je vois la sœur Elodie Boudier, je vois Pasteur Uvin, je vois Emmanuel Etanban Elaka. Qui est-ce que je vois encore? Je ne vois pas tout le monde. Je ne vois pas tout le monde. Je vois l'ancien Guilain Mwamba, que Dieu te bénisse abondamment. Je ne vois pas tout le monde. Si tu es là, tu peux marquer ton nom. Tu peux nous saluer et ça ne va pas être si méchant de ta part. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Ce soir, nous voulons partager la parole du Seigneur. Une parole merveilleuse dont nous croyons qu'elle va faire du bien à une personne. Une parole dont nous croyons qu'elle va guérir l'âme d'une personne. Et cette parole sera la parole de la visitation pour ces quelques jours qui nous restent pour finir cette année 2020. Alléluia. Dieu a une parole pour toi. Est-ce que tu peux l'écrire en commentaire que le Seigneur a une parole pour moi? Moi, je vais l'écrire. Je vais l'écrire, le Seigneur a une parole pour moi ce soir. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a une parole pour quelqu'un ce soir. Dieu veut parler à une vie, Dieu veut parler à une personne ce soir. Alors sois attentif à ce que Dieu va dire. Sois vraiment attentif à ce que Dieu va te dire ce soir. Alléluia. Le thème que nous allons exploiter ce soir, c'est les limitations des pharaons face à la parole de Dieu. Okay? Ou la parole de Dieu face aux limitations des pharaons. Je suis dans le livre de Exode chapitre 5, au 8e verset. Exode chapitre 5. Et le 8e verset. Vous verrez ce que la parole de Dieu est en train de dire. Ici, écoutez ce que Pharaon dit. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien. Car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu.
que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles, des mensonges. Alléluia. Ici, nous voyons que Pharaon dit à ses ouvriers d'augmenter la charge du travail au peuple israélite, d'augmenter la quantité des briques. C'est-à-dire que Israël était en train de faire face, on va dire, à la méchanceté de Pharaon. Pharaon voulait montrer à Israël que c'était lui le décideur. Pharaon voulait prendre ou donner une leçon à ce peuple israélite. Pharaon voulait que Israël puisse comprendre que c'est lui, Pharaon, qui a le dernier mot sur tout. Alléluia. Pharaon venait imposer à Israël une façon de vivre. Pharaon venait d'imposer à Israël une façon de faire les choses. En d'autres mots, nous pouvons le dire si clair, que Pharaon n'était pas pour qu'Israël ait la vie. Pharaon ne voulait pas qu'Israël puisse bénéficier de certains avantages que même un esclave pouvait avoir chez son maître. Donc Pharaon vient imposer les contraintes à ce peuple. Parce qu'il ne voulait pas que ce peuple ait un temps de repos. Il ne voulait pas que ce peuple se repose, que ce peuple puisse penser à offrir à leur Dieu un culte merveilleux, un culte glorieux, un culte digne du nom de leur Dieu. C'est pour ça que Pharaon va exiger à ces gens d'augmenter un peu la souffrance du peuple israélite dans son territoire. Si c'était de nos jours, nous pourrions dire que ce que Pharaon a fait, c'est contre le droit de l'homme. Okay? Ce que Pharaon faisait était contre le droit de l'homme. Il violait la convention du droit de l'homme. C'est-à-dire, quelqu'un peut être chez toi, il peut être ton ouvrier, mais il y a une façon de traiter ton ouvrier. Et ça, Pharaon n'en prenait pas garde. Alors, Pharaon va augmenter la charge. Pharaon va dire, on va augmenter la quantité des briques. Dans l'idée de faire souffrir ses enfants d'Israël. Je peux dire à une personne ce soir, je ne sais pas quelles sont les contraintes que Pharaon t'a imposées aujourd'hui. Les contraintes que tu vis aujourd'hui, que tu es en train de vivre aujourd'hui, parce que Pharaon t'a imposé quelque chose. Pharaon a imposé à ta vie une espèce de conditions. Ok? Ces conditions-là, ne répondent même pas à la convention de droit de l'homme, à ce que l'esclave pouvait bénéficier. Il se pourrait que tu y étais ou tu y es encore jusqu'aujourd'hui en Égypte. Tu y es dans la maison de Pharaon. En exemple, je peux dire, dans une maladie qui te retient aujourd'hui dans la maison de Pharaon. Et cette maladie est tellement atroce. Cette maladie est tellement contraignante.
Cette maladie fait que tu sois gardé esclave de Pharaon. Quelqu'un me donne un amen bien. Cette maladie, tu n'avais commencé que par des maux de tête. Mais Pharaon, il a vu que malgré les maux de tête, tu continues encore à adorer Dieu. Tu continues encore à louer Dieu. Malgré que tu as mal à la tête, malgré que tu sens que ta tête là, elle pèse, mais tu dis, moi, malgré mes maux de tête, malgré mes migraines, malgré les douleurs cervicales, je vais continuer à louer Dieu, je vais continuer à exalter Dieu. Pharaon, vu cela, Pharaon va augmenter la souffrance, il va augmenter la douleur, c'est-à-dire ça quitte la phase de maux de tête. Tu commences à voir des courbatures, tu commences à voir des contractions, tu commences à voir, des maux de dos, tu commences à voir chaud dans ton corps, c'est-à-dire tu n'arrives plus à respirer, tu n'arrives plus à vivre, tu n'arrives plus, tellement que la douleur, elle est intense. Pourquoi? Parce que Pharaon a augmenté la quantité de briques. Pharaon a augmenté la quantité de briques. C'est-à-dire, tu es en train de subir. Tu as mal à la tête, en même temps mal au dos, en même temps mal au ventre, en même temps mal aux pieds, en même temps mal partout dans ton corps. Tu ne peux plus bouger. Tu es... Tu es alité, cloisonné. Pharaon a augmenté la quantité de briques. Parce qu'il a dit que tu adorais Dieu, tu louais Dieu. Il a vu cela. Il a dit non, je ne peux pas le laisser continuer comme ça. Je ne peux pas laisser cette famille vivre en paix. C'est pour ça que tu remarques, il se pourrait que dans ta famille, dans ta vie, aujourd'hui ça va et demain ça ne va plus. Aujourd'hui tu souris, demain tu ne souris plus. Parce que Pharaon a vu que tu souriais, alors il augmente la souffrance. Hier tu n'avais qu'une facture. Pharaon a vu que tu l'as payé tellement bien, il va rajouter une autre facture. Il va rajouter une difficulté de plus, que tu ne sois pas en mesure de le payer, que tu ne sois pas en mesure d'honorer ces factures-là, que tu ne sois pas en mesure d'honorer tes promesses. C'est-à-dire que tu te vois limité. À cause de quoi? Parce que Pharaon a augmenté la contrainte. C'est pourquoi nous avons dit les limitations des pharaons face à la parole de Dieu. Combien même Pharaon va te limiter? Mais en toi, il y a les paroles de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Il y a les prophéties, il y a les promesses. Mais ces promesses-là, on peut dire que les promesses qui sont en ta personne se heurtent devant les contraintes des pharaons. C'est-à-dire que tu te vois contrarié. J'ai les prophéties, mais l'état de mon corps, l'état de ma santé ne me permet pas d'entreprendre une activité, ne me permet pas, en fait, d'aller plus loin. L'état de ma santé ne me permet pas d'aller chercher même un travail. L'état de ma santé ne me permet même pas de faire un travail qui me demande des efforts physiques. Pourquoi? Parce que Pharaon m'a imposé ses contraintes à lui. Alléluia. Pharaon t'a imposé ses contraintes à lui. Tu peux être là en train de travailler matin, midi, soir. On te dit même ce travail-là, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est un travail venant du ciel. Mais tu ne comprends pas d'où sortent les dépenses. Ça, ce sont des limitations de Pharaon. Ça, ce sont des contraintes que Pharaon est en train d'imposer à ta vie. Parce qu'il ne veut pas que ta vie avance. Parce qu'il sait, si tu avançais, tu ne ferais que louer Dieu. Tu passerais ton temps à louer, à exalter, à glorifier, à glorifier, à glorifier, à louer ton Dieu. Alors Pharaon ne veut pas que tu loues Dieu.
Oui, Pharaon ne veut pas que tu loues Dieu. C'est pour ça qu'il vient augmenter la souffrance. C'est pour ça qu'il vient augmenter les contraintes. C'est pour ça qu'il vient t'imposer autre chose sous prétexte que tu étais feignant, feignante. Les limitations des Pharaons. Mais ce que j'aime, écoute ce que Exode 3 dit. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Le verset 8 dit, je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter dans ces pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays ruisselant de lait et de miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phériziens, les Éviens et les Jubéciens. Dieu dit que malgré les contraintes des pharaons, moi-même Dieu, je viens. Pharaon a entendu ces paroles, que Dieu est descendu pour libérer Israël. Alors Pharaon va augmenter leur souffrance. On peut se poser la question maintenant. Entre la parole de Dieu et la parole de Pharaon, qu'est-ce qui doit réellement se réaliser? Entre ce que Pharaon vient de décider et ce que Dieu a décidé, qu'est-ce qui doit réellement se réaliser? Qu'est-ce qui doit réellement s'accomplir? Est-ce les paroles des pharaons ou c'est les paroles de Dieu qui doivent se réaliser? En d'autres mots, Israël se trouve ou se retrouve devant un dilemme. C'est quoi ce dilemme? Les paroles des pharaons et la parole de Dieu. Oh. Non, je reprécise. Israël se retrouve devant un dilemme entre les paroles des pharaons et la parole de Dieu. Oh Jésus, Dieu dit sa parole et Pharaon dit ses paroles. Il est question d'un combat de parole contre parole. Parole contre parole, la parole de Dieu et les paroles des hommes. Qu'est-ce que les hommes disent de toi? Qu'est-ce que les hommes disent à ton sujet? Qui est-ce qui a parlé contre toi? Qui est-ce qui a parlé contre ta vie? Qui est-ce qui a imposé les lois, les règles dans ta vie? Et quelle est maintenant la place de la parole de Dieu dans ta vie? La parole de Dieu trouve quoi comme espace? Maraboshéke. La parole de Dieu trouve quoi comme endroit de réalisation? Alléluia. Pharaon dit sa parole et Dieu dit sa parole. On peut même faire ça dans l'ordre. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a parlé en disant, j'ai vu la souffrance, je suis descendu. Et Pharaon ayant entendu ça, et Pharaon ayant compris cela, parce que Pharaon c'était un esprit, Pharaon c'était une autorité, Dieu c'est une autorité. Pharaon était le Dieu, comme je l'ai dit souvent, pour les Égyptiens. Dieu était le Dieu pour les Israélites. C'est-à-dire la parole de Dieu des Égyptiens et la parole de Dieu d'Israël. Nous l'avons dit dimanche, que les réalités ne peuvent pas annuler la parole de Dieu, ne peuvent pas changer la parole de Dieu, mais la parole de Dieu change les réalités. C'est-à-dire la parole de Dieu est capable, a la capacité, le moyen, la puissance de modifier les paroles de Pharaon, les réalités des paroles de Pharaon. Pharaon a dit quelque chose et Dieu aussi a dit quelque chose. Mais quelle est la parole qui va se réaliser? Il y a quelqu'un qui est devant un dilemme. Dieu l'a promis, Dieu l'a béni, Dieu a dit tu es béni, Dieu a dit tu es prospère, Dieu a dit tu y es, je ne sais pas, tu vas accoucher, Dieu a dit cette année tu vas toucher, cette année tu vas vivre, cette année tu vas expérimenter. Et le diable est venu aussi mettre sa parole. Oh,
Jésus est en train de donner cette illustration quand il donne la parabole des livrets. Il dit, un homme est sorti, il a planté les blés. Il a planté la bonne semence. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu aussi pour s'aimer. Dieu a dit à Israël, je suis descendu. Pendant qu'Israël se réjouissait de la parole de Dieu qui leur était envoyée, Pharaon vient aussi pour semer sa parole. Pharaon vient aussi pour mettre sa semence. Pharaon vient aussi pour imposer sa loi. Or, je suis venu dire à une personne, même si Pharaon est venu imposer sa loi, même si Pharaon est venu mettre ses paroles, pendant que toi tu te réjouissais de la libération qu'a annoncé l'Éternel, Pharaon est venu t'imposer, sache que la parole de Dieu a beaucoup plus de puissance que la parole de Pharaon. Pharaon n'est que Dieu pour les Égyptiens. Pharaon n'est pas Dieu pour tout le monde. Mais le Dieu qui a parlé pour Israël est le Dieu de tout l'univers. Non, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre. Non, je suis en train de dire, Pharaon est Dieu qu'en Égypte. Pharaon est Dieu que pour son peuple. Pharaon est Dieu que pour ses habitants à lui. Les habitants d'Égypte. Oh, je ne sais pas comment on peut le dire. La seigneurie des pharaons ne se limite qu'en Égypte. La seigneurie des pharaons ne va pas loin d'Égypte. La seigneurie, c'est-à-dire, oh mon Dieu, Rabake Manacheke. Je te donne un exemple tout simple. C'est comme aujourd'hui, toi tu vis dans les territoires français, ok? Tu y es gabonais. Je peux te dire, je peux te rassurer d'une chose. La parole de Monsieur Bongo n'a pas de pouvoir ni de puissance ici en France, parce que tu vis ici en France, Monsieur Bongo peut décider, Monsieur Tshisekedi peut décider, Monsieur Sassou peut décider, il peut décider de tout ce qu'il veut, là où il est, mais sa parole là contre toi n'aura pas d'effet dans ce pays, à moins qu'il engage des gens pour qu'ils viennent te tuer. Mais s'il n'engage pas des détectives pour qu'ils viennent te faire du mal, sache que tout ce qu'il peut dire depuis Égypte ne peut pas t'atteindre. C'est pour ça que je viens dire à une personne. Je viens dire à une personne, toi pour qui la famille avait prononcé les mauvaises paroles, toi pour qui, je ne sais pas, dans ton ancienne vie, on a prononcé des malédictions, toi pour qui on avait dit que tu ne peux pas être prospère, toi pour qui on a dit que tu ne peux pas être marié, toi pour qui on a dit que tu ne peux pas avoir des enfants, toi pour qui on a dit que tu ne peux pas toucher au bonheur, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas devenir patron, tu ne peux pas avoir un travail et un salaire qui te convient, dont tu te jouis. Je suis venu te dire, ça c'était parce que tu étais dans ce territoire-là. Mais maintenant, tu es dans le territoire de Jésus. La Bible dit, il nous a transportés dans le royaume de son fils, de son amour. Tu n'es plus de ce monde, mais tu es du royaume du fils de son amour. C'est-à-dire que les paroles anciennes, les paroles prononcées contre toi, les paroles prononcées contre ta vie, ne peuvent avoir de l'effet. Pourquoi tu n'es plus dans ce territoire-là. Oh Jésus, Rabba Manacheke. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler, mais je crois que je suis en train de parler à un homme et à une femme. Je suis en train de te dire, les paroles que cette famille a prononcées, ils ont prononcé sur vous, que dans votre famille, les femmes ne peuvent pas se marier, que dans votre famille, les hommes ne peuvent pas se marier, que dans votre famille, personne ne peut être heureuse. Oui, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, ils l'ont dit, ils l'ont dit. On n'en disconvient pas, ils l'ont dit. C'était leur droit de les dire. Mais sauf que leurs paroles ne peuvent pas avoir de l'effet sur moi. Pourquoi moi je suis en Jésus? Jésus est en train de prier. Dans Jean, je crois, 16, 17, 18, il dit, Père, je prie qu'ils soient en moi, qu'ils soient un en moi, comme moi je suis en toi. Moi, je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus dans ce cordon ombilical. Je suis dans le cordon ombilical de Jésus-Christ. Je vis en Jésus-Christ. Je respire en Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Je respire en Jésus-Christ. Je respire en Jésus-Christ. Mes poumons respirent dans le royaume de l'amour de Dieu.
dans le royaume du Dieu, du Fils de son amour. Je ne dépends pas d'eux. Je ne dépends pas d'eux. Qu'importe ce qu'ils ont dit. Qu'importe ce qu'ils ont prononcé. Qu'importe ce qu'ils ont prononcé. Qu'importe ce qui a été fait dans ma vie pendant que j'étais païen. Ça ne peut pas avoir de l'effet, de l'impact dans ma vie. Pourquoi je suis en Jésus? Ma vie a changé. Pharaon n'est Dieu que pour les Égyptiens. Il ne peut pas être Dieu pour les Israélites. C'est pour ça que je veux dire à une personne, j'ouvre une parenthèse. Même si tu es en Égypte et qu'on te dit prosterne-toi devant Pharaon, il faut que tu refuses parce que Pharaon n'est pas ton Dieu. Or, je veux parler à une personne, soit comme Daniel. Daniel, il était à Babylone. Babylone, c'est où? Babylone, c'est ici, là. Là, là. À quelques kilomètres d'ici. À Rome. C'est ça, Babylone. Daniel était à Rome. On lui demande de se prosterner devant Nabucodonosor. Il dit non, jamais. Je vais me prosterner que devant les dieux d'Israël. Hé, qui est celui-là qui peut refuser la compromission? Qui va dire à Pharaon, il dit, Pharaon, écoute-moi bien. Moi, je suis le fils, je suis la fille du Dieu très haut. Je ne peux jamais me prosterner devant toi. Impose ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Mais ce qui est sûr, tes contraintes ne peuvent jamais annuler la parole de Dieu. Ah mon Dieu. Est-ce que jusque-là, ça passe? Est-ce que jusque-là, ça passe? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de saisir quelque chose? Non, invite encore tes amis, invite ta famille. Ils ont vraiment besoin d'entendre cette parole. Invite ta famille. Invite-le. Par pitié, par amour pour ta famille, invite-le. Ils doivent écouter cette parole. Alléluia. La parole de Dieu contre la parole de Pharaon. Non, je ne peux pas me prosterner parce que Pharaon a parlé. Nous sommes en train de vivre ces moments de l'année 2020. Pareil qu'en ces temps-là d'Égypte. Nous sommes soumis à des contraintes que nous impose cette pandémie. Cette situation nous impose des briques en plus. Mais est-ce pour autant que la parole de Dieu va être annulée? Non. Bien-aimé, si Dieu t'a dit que l'année 20, tu vas vivre des choses, j'aimerais te rassurer d'une chose aussi, quand bien même la pandémie atteindra son paroxysme, toi tu vivras ce que Dieu a dit que tu vas vivre. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu face aux contraintes pharaoniques. Face aux contraintes de Pharaon. Écoute. Ah mon Dieu. Jésus savait plusieurs choses. C'est pour ça, vous remarquez, lorsque les disciples lui ont dit, enseigne-nous à prier. Jésus savait qu'il y aura un temps où Pharaon va multiplier les briques. Jésus savait qu'il y avait un temps où Pharaon devait quintupler la souffrance d'Israël. Jésus savait que la pandémie devait arriver en 2020. Le Seigneur savait plusieurs choses en avance. C'est pour ça le Seigneur, lorsque les disciples lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Écoutez ce que le Seigneur va dire. Il dit, c'est Matthieu 6, je pense. Il dit, lorsque vous prierez,
Dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dès que vous finissez la phase d'élever le nom de Dieu, il faut que vous puissiez dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oh mon Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est quoi? Est-ce que je peux révéler à une personne la parole? Si vous lisez Jean 6, vous verrez là, il y a une discussion sur le pain. Ils sont en train de lui dire que le seul pain qui est descendu du ciel, c'était la manne que nos pères ont mangée dans les déserts. Nos pères ont mangé la manne dans les déserts. Mais Jésus les a contredits. Waouh, mon Dieu. Jésus dit ceci. Vos pères n'ont pas mangé un pain venant du ciel. C'est dans la Bible, Jean 6. Oh. Mais la manne était descendue. Comment toi tu peux nous dire qu'ils n'ont pas mangé un pain venant du ciel? Jésus leur dit ceci. Le seul pain venant d'en haut, c'est moi, Jésus. Vos pères ont mangé la manne. Je crois qu'on est vers le verset 49 de Jean 6. Ils l'ont mangé dans les déserts. Ils ont demandé leur pain quotidien. Et ils ont cru que le pain quotidien était le pain dans le sens pain qu'on va parler, fait avec les blés. Ils l'ont mangé, mais ils sont morts dans les déserts. C'est-à-dire que le pain quotidien dont Jésus nous dit de demander dans Matthieu 6, ce n'est pas simplement le pain avec le blé, mais c'est un autre pain. Et c'est quoi ce pain? C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il s'est présenté en tant que pain. Parce que Jésus est la parole faite chair. C'est lui le pain quotidien. Je ne sais pas si on me comprend. Jésus est en train de dire, il faut dire ceci à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre parole quotidienne. Parce qu'ils étaient en train de parler de la manne, à manger. Ils ne pouvaient pas leur sortir directement en parlant de la parole. Il fallait qu'ils prennent une image pour présenter ce que pouvait représenter la parole dans la vie d'une personne, d'un croyant, d'un chrétien. Il dit « Demandez le pain quotidien qui correspond à la parole quotidienne. » Pourquoi Jésus a dit de demander cela? Parce qu'il savait que le temps difficile pouvait arriver et surtout que ça arriverait. Et pendant ce temps difficile, tu n'as pas besoin de manger. Tu as besoin d'une parole. La parole salvatrice. La parole qui va contredire les contraintes de Pharaon. Quelqu'un me donne un amen bien. Il faut que la parole de Dieu dans ta vie puisse contraindre les contraintes des pharaons. Chaque jour de ta vie, demande toujours à Dieu une parole. Alléluia. Demande toujours à Dieu une parole. Une parole que tu pourras brandir devant Pharaon. Pharaon va t'imposer des choses. Pharaon va t'imposer des contraintes. Mais si tu n'as pas de paroles quotidiennes, si tu n'as pas de paroles de Dieu en toi, mon ami, tu risques de vraiment souffrir à cause de la contrainte de Pharaon.
Pharaon n'aura pas pitié de toi. Pharaon ne va pas dire que tu étais à l'église les dimanches. Pharaon ne va pas dire que tu avais assisté au live le mardi. Pharaon ne va pas dire que tu étais à l'intercession le vendredi. Pharaon ne va pas dire que tu étais à l'enseignement le samedi. Mais il faut que tu aies une parole quotidienne. Chaque jour de ta vie, chaque jour où tu te réveilles, dans ta prière matinale, dans ta prière journalière, n'oublie pas de dire à Dieu, « Seigneur, donne-moi la parole pour ces jours. » Tu ne sais pas les contraintes que tu vas rencontrer dans ta journée. Tu ne sais pas c'est quoi les contraintes que Pharaon risque de t'imposer. Mais quand tu y as la parole du Christ en toi, cette parole de grâce, cette parole puissante, annule toutes les contraintes de Pharaon. Oh Jésus, vous savez pourquoi les gens n'arrivent vraiment pas à expérimenter la grâce de Dieu? Pourquoi la grâce est-elle rejetée? Parce que nous ne comprenons pas que nous avons besoin d'une parole quotidienne. Chaque jour de notre vie, nous avons besoin d'une parole. Nous avons besoin que Dieu nous donne une parole quotidienne, un pain quotidien. Que tu te réveilles avec une parole du Seigneur. Que tu marches avec une parole du Seigneur. Oh mon Dieu, quand tu marches avec une parole du Seigneur, les hommes peuvent te maudire. Les hommes peuvent prononcer les malédictions sur toi. Mais ce qui est sûr, leur malédiction ne trouvera pas place. Ah non, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de dire ceci. Quand tu auras des paroles quotidiennes, quand tu auras la parole de Dieu en toi tous les jours, qu'importe la malédiction qu'on peut prononcer sur toi, qu'on te maudisse par le plus grand sorcier de ta ville, de ton pays, de ta famille, cela ne trouvera pas accomplissement. Tu sais pourquoi? Parce que la parole quotidienne occupe déjà la place. C'est ce que Jésus dit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que tu sois en Égypte, que tu sois à Babylone, tu as besoin du pain quotidien. Ne dis pas que j'ai écouté la prédication du dimanche, de mardi, ça me suffit déjà. Non, écoute la parole en abondance. Écoute la parole en abondance. Cette parole, ce pain quotidien, c'est une révélation. Mon Dieu. Jésus est en train de dire, donne-moi la révélation quotidienne. Ce n'est pas une parole logos. Non, ce n'est pas une parole, logos. Ce n'est pas une parole qui n'est pas révélée, mais c'est une parole réma que Dieu veut que tu puisses demander. Il veut que tu demandes une parole révélée, une parole qui t'aidera à avancer, une parole qui t'aidera à aller plus loin, une parole qui va t'aider à évoluer dans ta vie. Alléluia. Dieu veut que tu évolues. Le Seigneur veut que tu ailles très très loin, que tu ailles plus loin. Il ne veut pas que tu te limites là où tu es aujourd'hui. Mais il veut que tu ailles encore très très loin. C'est pour ça que tu dois demander à Dieu une parole quotidienne. Ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que Pharaon a dit sur moi. Ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que Pharaon a dit contre moi. Pharaon, tout ce qu'il va dire ne peut jamais contribuer à ton évolution. Tout ce que Pharaon peut dire ne peut jamais contribuer à ton épanouissement. Tout ce que Pharaon dit, c'est juste pour te garder dans une espèce d'esclavagisme, pour te garder dans une espèce de bassesse en bas de l'escalier. Pharaon, c'est l'image des sorciers. Pharaon, c'est l'image des gens qui ne veulent pas que tu avances, les gens qui te découragent. C'est ça, Pharaon. Pharaon, c'est la maladie. Pharaon, c'est le chômage. Pharaon, c'est tes adversaires, c'est tes oppresseurs. Pharaon, c'est tes ennemis. Pharaon, c'est les gens qui veulent ton malheur. Ce sont eux, Pharaon. Ils veulent t'empêcher à adorer Dieu.
Aujourd'hui, si tu dis j'y vais au culte, même là, si tu dis j'assiste à un live, ils vont vous dire avec vos pasteurs là, des scandales, vos pasteurs ceci, vos pasteurs, vos églises ceci. Ils commencent à insulter l'église de tous les mots. Ça, ce sont des pharaons. C'est des gens qui ne veulent pas que tu loues Dieu, qui ne veulent pas que tu adores Dieu. Ils t'imposent leurs règles de vie. Aujourd'hui, laissez-moi vous en parler. Nous sommes en train d'entrer dans une phase très, très glissante pour l'Église. L'État veut faire passer des lois. L'État veut voter des lois qui sont contre nature. On veut aujourd'hui commencer à imposer maintenant la célébration des mariages homosexuels à l'Église. On veut aujourd'hui qu'on impose aux gens de donner les noms aux morts-nés. Quelle de loi contre nature? C'est ça ce que Pharaon veut faire. Si tu refuses de célébrer le mariage, on peut venir fermer ton église pour discrimination. Donc si quelqu'un homosexuel arrive à l'église, ne lui prêchez pas que Dieu est contre ces choses-là, que la Bible nous interdit cela. Si tu le dis, ça veut dire que tu as marché contre la loi. Nous arrivons, la loi rentre en discussion en parlement. C'est rentré, je crois, c'était le 7 décembre que cette loi-là est rentrée en discussion en parlement. La loi qu'ils appellent la loi de la République pour renforcer la laïcité. Ils veulent interdire même le réunion des prières des maisons. Donc, chez toi, tu ne peux même pas organiser des enseignements pour tes propres enfants. Vous imaginez là où on va. Vous imaginez la contrainte. Pourquoi? Parce que l'église protestante est pour toutes ces choses-là. Ça, c'est la contrainte auquel nous serons confrontés dans quelques jours. Ce n'est même pas dans quelques années, c'est dans quelques jours. Certains articles ont été déjà votés. La loi des pharaons. Que devons-nous faire face à cela? Parce que la Bible nous dit, soumettez-vous aux autorités. Alléluia. Alléluia. Soumettez-vous aux autorités. Que devons-nous faire? Entre la parole des pharaons et la parole de Dieu. Que devons-nous faire? Je nous pose la question. Répondez. Que devons-nous faire? Devons-nous nous prosterner face aux paroles des pharaons? Devons-nous arrêter d'adorer Dieu à cause de cette loi? Non. Il faut être comme des Daniel à Babylone. Que Nabucodonosor fasse des lois, fasse ce qu'il veut. Mais comme moi, je suis de la race de Daniel, je ne me prosterne jamais devant les dieux étrangers. Oh, je prie que ça soit le cas pour toi. Ces lois qui veulent faire reculer la société, c'est vraiment des choses qui veut contrarier ton adoration, contrarier ta louange, contrarier ton intimité avec Dieu. Mais malgré cela, il faut refuser certaines choses. Refuse la compromission. Écoutez, la Bible dit ceci. Elle dit, on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir. Il dit, vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Ok, ça c'est ce que la Bible dit. Mais, selon certains chercheurs, scientifiques, archéologues, qui ont fait un calcul en rapport avec les données bibliques, bien sûr. Et dans ces calculs-là, ils ont fait, ils ont trouvé que si Jésus doit revenir, c'est entre 2025 et 2030.
En supposant que leur estimation soit vraie. Je ne dis pas que c'est vrai. Je ne dis pas non plus que c'est faux. Je dis, en supposant que leur calcul soit vrai et qu'entre 2025 et 2030, le Seigneur Jésus revenait. Vous ne voyez pas que en se prosternant devant la loi que Pharaon vient de mettre en place, on compromet notre salut. Ça veut dire qu'en 2030, l'Église est enlevée parce que toi, tu as accepté cette compromission. Tu es resté. Qu'est-ce que tu peux faire? Ce soir, je n'aimerais pas te ramener dans un moment puissant de prière. Non, 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 non. Je m'aimerais te laisser avec une question. Quelle est ton attitude face aux paroles des pharaons? Vas-tu céder à la pression que Pharaon t'émet ou vas-tu garder la parole de Dieu et tenir droit dans tes bottes? Qu'est-ce que tu vas faire? Pose-toi la question, si Jésus revenait aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Où est-ce que je serais? Est-ce que je laisserais la parole de Pharaon prendre place dans mon cœur? Je veux bien chasser les démons, je veux bien chasser l'esprit de Pharaon, mais je sens dans mon esprit un refus. Je mérite juste que tu te questionnes. Que tu te poses la question. Qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu et de la parole des pharaons? Lorsque tu vas demander le pain quotidien, ce pain-là va remplir ta vie. Alors la parole des pharaons ne pourra jamais trouver place en toi. Tous les jours, demande ce pain quotidien à Dieu. Qu'il te donne ce pain, afin que cela remplisse ta vie et que tu sois rassasié de son pain. Que tu ne demandes pas le pain à Pharaon. Que tu n'ingurgites pas le pain des pharaons. Sois comme Daniel qui a refusé le mets du roi au profit des légumes et de l'eau. Juste pour ne pas tomber dans la compromission. Parce que le mets du roi te ramènera dans la compromission. Les paroles du roi te ramènera dans la compromission. Garde la parole de Dieu en toi et que cette parole devienne esprit et vie. Que le Dieu du ciel vous bénisse abondamment. Alléluia. Seigneur, matérialise ta parole dans la vie de tes enfants. Donne-leur chaque jour leur pain quotidien, afin qu'ils résistent aux contraintes des pharaons, afin qu'ils résistent aux lois des pharaons. En le nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre temps d'aujourd'hui. Nous prions que le Dieu du ciel puisse vous bénir abondamment. Soyez remplis de grâce. Nous prions que cette parole trouve accomplissement en vous, dans vos cœurs, dans vos vies. Que le Seigneur le matérialise. Oui, c'est ça notre prière. Ne cherchez pas à comprendre ce que Pharaon dit pour vous, mais demandez une parole quotidienne chaque jour de votre vie, tout en sachant que la parole de Dieu, c'est elle qui change les réalités. C'est elle qui change les lois des pharaons. Que les dieux de la cité vous bénissent. Pour nos programmes, vous l'avez vu en train de défiler, c'est le mardi, le vendredi que nous sommes. Le mardi, nous sommes ici en ligne. Le vendredi, nous sommes sur Zoom pour notre prière d'intercession. Le samedi, nous sommes sur Zoom pour nos temps d'enseignement.
pour nos temps d'enseignement, l'école des ouvriers et les dimanches, nous sommes là à partir de 11h à l'église pour notre culte. Il n'y a plus de restrictions, il n'y a plus de jauge, il y a juste des règles, des mesures barrières à respecter. La salle est suffisamment grande pour nous accueillir, nous tous. Sinon, nous sommes en ligne chaque matin à partir de 5h, du lundi au vendredi, de 5h à 5h30 pour notre prière matinale, sur Zoom aussi, dans le lien et dans le groupe WhatsApp de l'église. Donc, tu peux te joindre à nous chaque matin, tu coupes ton sommeil, parce que nous avons besoin d'un pain quotidien. Tu as besoin d'une parole de Dieu chaque jour, chaque matin. Tu as besoin que le Seigneur te donne une parole révélée, une révélation chaque matin. Alors, n'hésite pas à te joindre à nous pour ces temps de prière. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Passez une agréable semaine remplie de bénédictions, de révélations et que les dieux de la cité vous donnent chaque jour une parole quotidienne. Soyez bénis, bonne soirée.